vous avez les trucs d'Halloween. C'est Intermarché. Hein. Voilà. Vous avez les promotions du jour. Ça, c'est génial, mais vraiment génial. C'est de la levure de bière. Il faut vraiment le prendre. C'est vraiment très, très sain à saupoudrer. On en trouve rarement. Enfin, moi, j'en trouve difficilement. Alors après, vous avez des jouets. 9,50. Je sais pas, ça peut être le puissance 4 à 9,50. À partir de... Vous avez le calendrier de l'Avent Playmobil. Il est trop beau. 15 euros. Il est pas cher, hein. Regardez comme il est grand. Et dedans, il y a tout ça. Enfin, les enfants, ils adoreraient. Hein. 15,90 euros, franchement. Le calendrier de l'Avent Playmobil. Là, vous avez un petit Playmobil à 14,90. Et un grand à 49. Ben, franchement, allez à votre Intermarché. Hein. Moi, il est petit, le mien. Le masque me fait tousser, c'est un truc de dingue. Monopoly à partir de 9,50 l'unité, mais on ne sait pas ce que c'est. Au prix de 19,90, je ne sais pas. Là, vous avez d'autres jouets. Des petits camions. Vous avez 20%, donc ça fait 19,92. Vous avez des petits... C'est quoi? C'est trop mignon. 11 euros au lieu de 14,90. Des petites peluches. Comment elles s'appellent? Tissotitch. Lilo Stitch. Franchement, c'est trop mignon. Voilà. Là, vous avez des poupées. Oui, il y a des journées, tout le monde perd, il y a des journées. Franchement, c'est moi qui l'ai fait tomber. Ah, c'est pas grave. Oh, c'est gentil, merci. Il est très gentil. Ah, là, on a des sauces. C'est un peu chinois, là. Ah, mais moi, je vais chercher, en fait, pour ma fille. Voilà, tout ça, c'est mon supermarché. Moi, il n'est pas vide du tout, hein. Il est absolument pas vide. Hein. Il y a vraiment tout. Hein. Vous trouvez tout. Bon, je reviendrai parce qu'il y a tellement de choses. Hein. Voilà, moi je cherche les gâteaux, brioches. Vous voyez, franchement, il n'est pas vide du tout. Mais j'ai fait mes courses hier. Ah, je vais reprendre des pains au chocolat parce que je suis en train de faire un coco. Non. Ouais, je suis en train de faire un truc avec les pains au chocolat. Je vais devenir une patate. 20 novembre. Attendez. En plus, les pains au chocolat, ils sont moins chers que les croissants. C'est fou, ça. Voilà, jusqu'au 20 novembre. J'en mange un par jour. Je vous dis, je vais devenir une patate. Ensuite, moi, ce que je veux, c'est pas Saint-Éloi, l'huilito, moi, votre majesté mal culottée. Voyez-moi, il n'est pas vide. Hein. Pour vous montrer que moi, il n'est absolument pas vide. Parce que les gens, ils doivent aller dans les grands, grands, grands magasins, à mon avis. Par contre, je ne comprends pas, là. Du sel à 3 euros, là, c'est abusé, quoi. Celui-là, il a 50 centimes et celui-là, il a 3 euros. Cherchez l'erreur. Alors, ensuite, des sauces. Moi, je la prendrai... J'ai déjà tout ce qu'il faut. Hein. S'il y a de la mayonnaise au citron, j'aimerais bien. Oui, il y en a. Attendez. Hein. Il est où mon sac? Je crois que j'adore cette mayonnaise. Je ne sais pas si vous aimez, mais j'adore. Je crois que j'ai oublié mon sac. Bah bravo. Il faut que j'aille chercher un grand sac. Je reviens. Je reviens. Alors, uno, due. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire vos provisions, il y a tout ce qu'il faut. Regardez, tout. Peut-être pour les animaux, il y aura moins. Même les soupes. Tous les soirs, je me mange une soupe. Mais je les prends comme ça. Velouté, je déteste. Moulinet d'hiver, 2 euros. Ah, c'est beaucoup plus cher. Hein. Intermarché, c'est cher, je trouve. Je sais pas, dites-moi votre avis, mais moi, je trouve que c'est cher. Je vais chercher un sac.
bulots cuits, 3,90, ils sont pas chers, mais par contre, ils sont gros. J'aime pas. Et vous savez qu'avant, moi, j'achetais tout le temps du filet de truite. Et ben, la truite, maintenant, elle est hyper chère. Regardez à combien elle est. 6,20 €. Et avant, je payais pas ce prix-là, je payais 4 €. Allez. Voilà. Masque barrière. Le gel pour les mains nettoyants. Je lui ai acheté du sauté d'agneau, j'ai payé 15 €, mais halal, parce qu'elle mange halal. Et le monsieur m'a offert, super gentil, il m'a offert un bouquet de menthe et un bouquet de persil tout frais, magnifique. Voilà, parce qu'en fait, elle me fait toujours un petit plat. Et moi, je suis pas trop plat maghrébin, mais ça me fait super plaisir à chaque fois qu'elle me le fait. Donc du coup, enfin, surtout quand elle ne le fait pas épicé. Du coup, là, je lui ai acheté de l'agneau et je sais qu'elle va m'en donner un morceau, mais c'est pas pour le but. C'est pas pour ça, hein. C'est pour qu'elle le garde, elle. Hein. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, elle aussi, hein. Mais c'est pour lui faire plaisir. Une voisine comme ça, il n'y en a pas deux. Franchement, pendant tout le confinement, le premier confinement, elle vidait tout le temps mes poubelles, elle allait faire mes courses. Là, maintenant, je sors. Mais par rapport à tout ce qui s'est passé aussi dernièrement avec le colocataire, enfin, semblant colocataire, qui n'a pas duré longtemps, eh bien, elle a été là. Elle était proche de moi, elle était là, et elle m'a dit, c'est bien, Sybille. Voilà. Bon, bah, sur ce, cette fois-ci, je vais à la pharmacie. Bon, il me reste 4 minutes pour rentrer. Lol. Incroyable. J'ai acheté du Gabisco quand j'ai vu le prix. Hier, il était à 9,90 €, et là, il est à 3,04 €, et il y en a je ne sais pas combien dedans. Je pense qu'ils se sont trompés au niveau de l'affichage, ou alors il y en a qui se régalent, hein, au niveau des marges, parce que 9,90 € à côté de chez moi, et pareil aux Champs-Élysées, 9,90 €, et à côté de chez moi pareil, et là pareil à côté de chez moi mais une autre pharmacie, 3,04 €. Franchement, les pastilles, normalement ça coûte 6-7 €, je les ai même pas eu à 3 €. Ben, je retournerai là, hein. C'est plus intéressant, hein. Voilà. Et en plus, mon autre pharmacie, elle me dit qu'il n'y a plus de Tanganyl, on n'en fait plus. Déjà l'autre fois, elle m'avait dit on faisait pas tel médicament, j'étais obligée de changer le médicament, et on m'a dit mais non, on le fait toujours. Du coup là, je suis allée à cette pharmacie là et ils m'ont dit bien sûr on a du Tanganyl. Voilà, je Tanganyl et Vogalen, je suis trop contente. Voilà, voilà. Bon bah, j'ai 5 minutes pour rentrer. Alors, je vais vous faire mon petit haul dehors, hein. Devant les bacs à compost. Alors tout d'abord, j'ai acheté de la viande d'agneau, que j'en ai eu pour 15 € pour ma voisine, avec du persil et de la menthe qu'il m'a offert. C'est du sauté d'agneau. Et m'a offert le petit bouquet de persil. J'ai pris des pains au chocolat 20 novembre jusqu'au 20 novembre. Voilà, c'est parfait. J'ai pris des cornichons Bouton d'or 1,05 €. J'ai pris, alors là je leur ai dit que c'était des voleurs, 3,05 € alors que c'est 2,49 € partout. Franchement là c'est abusé. J'ai pris 1,99 € de la persillade. J'ai pris de la mayonnaise au citron 1,46 €, j'adore. J'ai pris des kiwis, je vous les montre comme ça parce que c'est des kiwis sont défaits, 1,80 €. J'ai pris de la levure de bière parce qu'il n'y a rien de tel pour la santé, 1,98 €. J'ai pris une pizza Sodebo ovale jambon fromage, 1,49 €. Les bananes, j'en ai eu pour 1,09 €. Et j'ai pris ça comme petit dessert, riz, 1,38 €. Voilà, et les kiwis, vous voyez. Voilà mes petites courses et je suis allée à la pharmacie. On va changer de place parce qu'il y a trop de soleil. Je vais vous montrer. Ça c'est la viande pour ma... C'est la viande que j'ai payée cher. Hein. Voilà. Hop, range tout. Hein. Hop, hop. Je ne sais pas ce que vous allez faire de beau aujourd'hui. Voilà. Wow. Et... vous montrer
Vous voyez, comme je vous dis, c'est mignon comme tout. Je m'assois. Donc là, je vous ai montré le sac. 60 centimes le sac, tous unis derrière les bleus. Et là où j'ai eu un gros doute, c'est que ça, suspension Buva 24 sachets, je l'ai payé 3,04 €. C'est bizarre quand même, hein. 3,04 €. Expire le juillet 2022. Et ça, normalement, ça coûte une blinde. Ça coûte 9 €. Et elle m'a donné mes médicaments, le Voganel et le Tanganyl. Et elle m'a donné des échantillons. Alors, elle m'a donné Aven, j'adore. Fluide démaquillant, 3 en 1. En général, ici, ils donnent des échantillons de folie. Aven. Baume relipidant. Peau presque sèche. Voilà. Et des échantillons, ma crème de nuit anti-âge. Bah, tiens, je vais essayer. En fait, j'aime bien les produits pharmacie. Parce que je me dis, j'ai pas d'allergie avec. Voilà. Sur ce, je vous montre le chemin. Voilà, le compost. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et voilà mon hall Intermarché.